Bon, c'est bon, la miniature a été faite. Je pose ça et je vous parle. Je pose ça où? Là, sur son bureau. Là. Ok. Donc, peut-être zoomer un peu, vous êtes loin. C'est mieux, hein. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai une pile. Là, vous la voyez pas? Non, vous la voyez pas. J'ai une pile de livres qui est quand même assez conséquente. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Dans cette pile, on a mes dernières lectures. On a aussi les livres que soit on a achetés, soit j'ai reçus de maison d'édition. Parce qu'en fait, je vois qu'il y en a deux de plus là-bas que je vous ai pas mis, enfin, que je vous ai pas montré dans la pile. Donc, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer tout ça et pour pouvoir enfin les ranger dans les bibliothèques. J'ai abandonné du coup aussi de faire les vidéos en bas. Vous l'avez vu normalement dans mes dernières vidéos, j'étais au rez-de-chaussée de ma maison, devant la bibliothèque. Mais il s'avère que à la caméra c'est très très moche, ça rend très très sombre. Donc on va se mettre ici. Voilà, moi ça me convient, j'espère que vous ça vous convient. Oh, je viens de me rendre compte, le grand mur blanc là, je vais pouvoir mettre une affiche. Peut-être mettre une affiche. Peut-être pas mal ça, à réfléchir. On attaque tout de suite. Je vais commencer par les deux qu'il y a là-bas avant que je les oublie. Bon voilà. C'est deux livres du coup qui m'ont été envoyés par la maison d'édition Rivage avec qui je collabore depuis maintenant un petit peu plus d'un an, je crois. C'est deux livres de leur nouvelle collection qui s'appelle Virage Graphique. Donc Rivage est devenu Virage. Qui est principalement, voilà, comme dit dans l'intitulé, des livres graphiques type BD et compagnie. Donc j'en ai reçu deux. Que j'ai lu. Le premier, c'est, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais sinon c'est pas grave, je répète un petit coup. Version originale de Jean-Claude Göting, donc j'imagine qu'il est allemand, sous-titré français. Hop! Tac, il sort celui-là, si je ne m'abuse, c'était le 10 septembre. Donc à l'heure où je vous mettrai cette vidéo en ligne, il doit être sorti. Et en fait, j'arrive pas. Je vous ouvre une page au hasard. C'est des dessins qu'il a fait avec un tout petit sous-titre à chaque fois et on croirait que ces dessins en fait sont issus d'un screen pris dans un film alors que les films n'existent pas du tout, hein. C'est des dessins quelconques. Mais la manière dont il fait les dessins et le petit mot qu'il met derrière nous fait penser à ça. Et il y a aussi parfois des petits fragments de petites pièces de théâtre, de scénarios, voilà. Donc en gros, ce livre, c'est, je pense, pour les amoureux d'art et de cinéma, ça peut être un chouette cadeau. Le deuxième, du coup, qui m'a été envoyé bien plus récemment, qui sort le 28 septembre, donc là, cette vidéo, je vais la publier vendredi, donc normalement, il n'est pas encore sorti. C'est L'ombre des pins de Cécile Dupuis et Valérian Guillaume, toujours dans les éditions Virage Graphique. Et ce que je trouve très chouette, là, c'est qu'il y a un... Je vous enlève là... étiquette. Un petit rabat comme ça, et ça c'est génial. Et donc là en fait, je l'ai terminé, c'est une BD avec très très peu de texte, beaucoup de dessins où on va suivre ce jeune garçon en fait qui part en vacances d'été chez sa grand-mère, qui s'ennuie chez sa grand-mère et qui va se découvrir une passion pour la photo suite à une rencontre avec une jeune fille. Donc en fait, on va suivre leur rencontre et leur petite semaine ensemble. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'est un beau livre sur la jeunesse, c'est un beau livre sur la découverte du monde, sur l'amitié, sur l'amour, sur les amourettes, sur plein de belles choses. En fait, c'est un livre qu'on a tous vécu, de toute façon. Donc ça, c'était pour les deux de Rivage. Maintenant, je vais prendre de haut en bas de la pile, hein, ce sera plus simple. Déjà en haut de la pile, c'est mes lectures, mes dernières lectures. Donc parmi la dernière, en tout cas, c'est Grizzly, le Grizzly même, non Grizzly, de James Oliver Curwood. C'est dans les éditions Gallmeister, la collection Totem. Vous savez que bah, je la collectionne, la collection. Et je ne sais pas si vous avez vu le Disney Frère des Ours, ou en tout cas le film L'Ours. Moi, le film, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le Disney Frère des Ours. Et en fait, c'est... Enfin, ça c'est le livre qui a inspiré le film L'Ours, mais pour moi ça correspond aussi au début de Frère des Ours en fait. On va suivre ce grand ours en fait qui vit dans sa montagne, comment il vit sa vie, et sa rencontre avec deux chasseurs d'ours,
qui vont vouloir le tuer tout simplement parce que c'est le plus gros ours qu'ils ont jamais vu. Et en s'enfuyant, en essayant de partir loin de ces chasseurs, il va faire la rencontre d'un petit ourson qui est tout seul. Et du coup, je peux pas vous en dire plus parce que après, ça explique beaucoup de choses. Et en fait, le petit ourson, voilà, va le suivre dans son parcours. Et ils vont continuer leur aventure ensemble. Et c'est un livre qui est très descriptif. Moi, d'habitude, j'aime pas ça, mais qui pour autant m'a happé de A à Z. Je l'ai lu en l'espace de 3 jours. Il fait juste 200 pages. Et je vous le conseille vraiment, vraiment, surtout à cette saison automne, il fait un peu froid et tout, c'est au top du top. Deuxième livre qui a aussi été un coup de cœur, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir dans les éditions Pocket. Les déséditions, oui, bien sûr. Ce livre, c'est un peu un roman initiatique. En gros, on va suivre 7 sages qui sont issus de différentes religions, de différentes religions. Qui vont se regrouper dans un même endroit pour définir 7 commandements, 7 règles, 7 inspirations, en gros, qui vont devoir inculquer à 2 enfants parce que la fin du monde approche. J'en ai mieux et j'en ai plus parlé aussi sur mon compte Insta, dans un post, donc mon compte Insta, vous l'avez en barre d'infos comme d'habitude. Et ce livre, pour moi, a été une incroyable découverte, il m'a fait réfléchir sur... le sens de la vie, le comment on vit, pourquoi, les questions qu'on peut se poser, nos manières d'agir, de faire, de consommer, enfin beaucoup de choses. Et j'ai tout simplement adoré, et là en fait actuellement sur ma table de chevet, il y a juste après La fin du monde qu'il a sorti l'année dernière, qui fait suite à L'âme du monde avec d'autres commandements et compagnie, et je suis toujours aussi fan. Je vous le recommande vraiment vraiment, peu importe si vous êtes croyant ou non, peu importe la religion, peu importe tout ça, c'est tellement... un condensé, et c'est justement, il en ressort ce qui relie toutes les religions et pas ce qui fait la différence, que c'est lisible par absolument tout le monde. Ensuite, là on en a 2, je suis actuellement en train de lire l'autre, donc dites-vous que prochainement il y a le tome 7 qui est lu. J'ai lu le tome 5 et le tome 6 de l'Atelier des sorciers dans les éditions Pika Édition par Kamome Shirahama. J'y arriverai un jour sans relire. Je vous en parle plus. C'est plus la peine, on continue à suivre Coco et ses amis dans son aventure. Donc là, si je vous parle de cela, je vous spoil les précédents. Je vous invite à aller voir ma vidéo du coup où je parle de mes collections de mangas parce que je vous explique un petit peu plus le début de l'histoire si ça vous donne envie. Ensuite, j'ai feuilleté Le pari de la décroissance de Serge Latouche dans les éditions ici Pluriel. Ce livre, je croyais que c'était un livre sur l'écologie, oui et non, c'est un livre qui est très très politique, donc j'ai feuilleté et j'ai lu les chapitres qui parlaient plus d'écologie et qui donc m'intéressaient. Pour autant, moi j'arrive pas à lire de livres politiques pour le moment, enfin ça m'intéresse pas du tout, je trouve ça très lourd à lire de mon côté. Donc je l'ai juste feuilleté et je sais pas si je le garde, si je l'emmène dans la bibliothèque, si je le vends ou autre, donc à voir. J'ai fini le tome 2 de Iskari de Kristen Ciccarelli dans les éditions Pulp Fiction Poche. Le 2 c'est Le combat des âmes sœurs. Donc là, par rapport au tome 1, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Oui, c'est ça. Donc par rapport au tome 1 où on suit l'Iskari, dans ce tome 2 on va suivre plutôt d'un point de vue de Roa, qui est la femme du frère de l'Iskari. Roa dans pourquoi elle s'est mariée avec lui, qu'est-ce qu'elle veut défendre et les manipulations qui ont été faites dans son dos. Et en fait, elle sait plus trop qui croire. J'ai galéré avec les R, hein, vous avez entendu. Elle sait plus trop, elle a pas confiance en son mari, mais en même temps, c'est un peu bizarre sa manière d'agir. Pareil pour son premier amour, pareil pour sa meilleure amie. En fait, elle est complètement perdue dans tout ça. Elle fait de très mauvais choix. Et au fil du livre, en fait, et surtout à la fin, on comprend tout le livre. On se rend compte de pourquoi machin a fait ça et compagnie. Donc une suite très très intéressante que j'ai trouvé très longue à lire au début. J'étais bien à la moitié avant de réussir à ce que ça se lise tout seul. J'ai trouvé ça très long, je l'ai fait traîner 2-3 semaines, la première moitié, mais une fois la moitié atteinte, je l'ai fait traîner 2 heures même pas, hein, pour la fin. Donc je conseille toujours autant cette série. Il y a le tome 3, c'est une trilogie, et je voulais attendre que ça sorte en poche, mais finalement je sais pas trop. Peut-être le prendre avant. Maintenant, on va passer au livre que j'ai acheté, que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas pouvoir vous en faire de résumé. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, que j'ai pris chez Gilbert Joseph dans les bacs où ça coûtait 1€, 1,50€, donc je me suis vraiment fait plaisir.
Celui-là, c'est La Tresse de Laetitia Colombani dans les éditions Le Livre de Poche à 1 euro. Donc, du coup, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. C'était, je crois, début d'année ou l'année dernière sur les chaînes YouTube, sur Instagram et compagnie. Donc, je me le suis pris pour 1 euro. Ensuite, ça, on me l'a prêté. C'est parce que je suis fan de Pierre Pével. C'est Les Contes et les Récits du Palais des Merveilles qui sont pas forcément écrits par Pierre Pével. Il y en a un dedans qui l'est, mais sinon, c'est écrit par quatre autres auteurs, pardon. Dans les éditions Bragelonne Poche, donc je vais le lire très prochainement, je pense. Ensuite, le premier, L'Assassin Royal de Robin Hobb, l'apprenti assassin. J'ai toujours voulu commencer cette série, mais quand j'allais à Emmaüs et compagnie, il n'y avait jamais le tome 1. Le tome 1 était toujours parti, donc j'ai jamais pu m'y attaquer. Et là, pour 1,50€, le tome 1, je me suis dit, bah go, c'est l'occasion. Par contre, c'est vraiment écrit tout petit, il fait 500 pages et il y a, je sais pas, moi, une dizaine au moins, je crois. Donc c'est une série qui n'est pas terminée, je vous le dis. Ensuite, on m'a forcé, c'est vite dit, à acheter Soigner le stress et l'anxiété par soi-même de Dominique Servan dans les éditions Odile Jacob Poche. Voilà, donc ceux qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, vous savez que ma vie n'est que stress. Non, c'est pas vrai. Mais le stress et l'anxiété prennent une grande part de ma vie. Je réfléchis à tout ce que je fais, je stresse pour un oui, pour un non. Donc on m'a dit pour 1 euro, tu t'achètes ce livre et tu le lis. Voilà, donc je l'ai. Et le dernier pour 1 euro aussi, c'est L'Arbre-Monde de Richard Powers dans les éditions 10-18. Il est un petit peu abîmé là, je sais pas si vous verrez. Mais c'est pas grave du tout. C'est un très très beau livre de 700 pages. Et c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui aussi, mais il y a encore moins longtemps que La Tresse. Donc pour 1 euro, je me suis dit le jour où j'ai envie, bah voilà, il m'a coûté 1 euro, donc je pourrais l'attaquer. Et le dernier qui n'est pas acheté par moi et pour moi, c'est Le sang de la cité, capitale du Sud, le tome 1 de Guillaume Chamanadjian, dans les éditions aux Forges du Vulcain. Il y a écrit La tour de garde tout en haut. Ah, par contre, c'est un livre qui est magnifique, hein. Ah, vous n'allez peut-être pas bien voir. Et c'est un livre en fait qu'on a pris parce qu'il nous a été recommandé plein de fois par notre libraire, la librairie Café au Bavardage à Poitiers. Elle nous a dit qu'elle les avait tous lus et que c'était vraiment incroyable. Et en fait, c'est des livres qui sont... là, on a la capitale du Sud, donc point de vue des habitants du Sud, et en parallèle sort la capitale du Nord, qui est écrite par par un autre auteur ou une autre autrice, ça je sais pas. Et en fait, voilà, chacun fait sa capitale. Le 1, le 2, le 3. Et pour autant, les histoires sont complètement reliées avec deux points de vue. Et on trouve ça super chouette. Donc, bah, Mathieu a pris celui-là et va prochainement l'attaquer. Voilà. On a aussi une règle chez nous, règle que je déteste parce que j'ai très envie de lire ce livre et un autre. C'est la personne à qui est destiné ce livre. Donc là, Mathieu se l'a acheté pour lui. Doit la lire d'abord avant que l'autre puisse lire. Donc moi, typiquement, je prends le premier qui vient. Je me suis acheté L'Arbre-Monde. Tant que je l'aurai pas lu, Mathieu n'aura pas le droit de le lire. Mathieu s'est acheté celui-là, et tant qu'il l'aura pas lu, j'aurai pas le droit de le lire. Voilà. C'est la règle à la maison pour pas spoiler les histoires et les livres des autres. C'est une règle que je n'aime pas. Sachez-le. Mais voilà. Donc celui-là, je suis pas prête de le lire, je pense. Après, il lit vite, donc peut-être. Mais il me donne très 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 envie et je vais pouvoir juste le regarder pour le moment. Mais c'est pas grave parce que, avec la tonne de livres que vous avez vus, je crois que j'ai de quoi m'occuper, hein. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains là-dedans et lesquels vous me conseillez. Moi, je vous recommande vraiment pour cette période à fond les ballons Grizzly, hein. Si vous le prenez, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages privés ou comme vous voulez sur Insta parce que je vous réponds à tous, on peut en discuter. Enfin, moi, j'adore ça. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, bonne nuit, joyeux Noël, bon anniversaire. Peut-être c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!